Gypsy, qui a 14 ans, elle n'était pas du tout contente hier, parce qu'on était nous deux dans le fauteuil, et puis elle disait, bon ben, j'ai servi toute ma vie de modèle, et j'étais belle, et j'étais jeune, et maintenant je peux plus rien faire, je peux plus aller sur les films, on me prend plus en photo. Alors bon ben, elle était triste, donc voilà, je lui ai promis qu'aujourd'hui, on fera encore un petit film avec elle. Donc, elle a une coupe uniforme. Rien de bien compliqué pour que ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'elle ne s'est pas restée trop longtemps sur la table. Elle est très vite fatiguée. Mais je vais juste vous montrer aujourd'hui comment moi je fais le petit pied de caniche, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, mais moi j'ai ma méthode bien à moi. Donc je vais juste vous montrer ça, et je vais aussi vous montrer comment je fais pour les ongles. Parce que là aussi, souvent, il y a des questions, comment est-ce qu'on doit couper les ongles noirs. Alors, on commence par le coussinet. Évidemment, j'ai une tête de coupe numéro 10 sur ma tondeuse. Je prends la pâte à l'articulation là, je la soulève, et on va... Je vais d'abord expliquer, parce qu'avec le bruit de la tondeuse, après... Et donc, de nouveau, voilà, Covid oblige, j'ai mon masque à cause de mon caméraman qui n'est pas dans ma bulle. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Mais je vais raser le V qui est là, bien le vider. Et ici, je vais juste passer par-dessus. Là, il ne faut pas rentrer dans les creux, là. Ça chatouille, il n'y a aucun chien qui aime bien. Comme ceci. Ensuite, attends ma fifi. Ah, t'as voulu être sur le film, hein, donc maintenant il faut supporter un petit peu. Hein. Voilà. Je vais raser là. Juste ici, un petit doigt. Ensuite, on passe à l'avant de la pâte. Et c'est là que je trouve que la prise est très importante. À nouveau, voilà, j'ai ma méthode. J'ai remarqué que les chiens... Aucun chien, attends, pose un peu ta patte pendant que j'explique. Aucun chien aime qu'on appuie là pour ouvrir les doigts de pied, ce que on voit souvent. Pour avoir mieux accès entre les doigts de pied, on pousse sur le pied pour ouvrir les doigts de pied. Je ne fais pas comme ça, je vous montre. Donc, moi je prends l'articulation là, là. Et vous comprendrez bien vite quand... Si vous devez, par exemple, tenir quelqu'un qui est en train de tomber, comment est-ce que vous allez le tenir? Comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez avoir une bonne prise. La personne ne va pas pouvoir glisser et vous n'allez pas lui faire mal. Si vous le tenez là, premièrement, vous n'aurez pas une bonne prise, mais c'est très désagréable quand on serre les doigts ensemble. Et pour le chien, je pense que c'est tout à fait la même chose. Donc, plutôt que de prendre le pied... et d'aller chipoter en ouvrant les doigts de pied. Mon Gypsy, elle supporte tout, mais déjà, voilà, beaucoup de chiens ne supporteraient pas qu'on fasse ça. Donc, je prends là l'articulation pour avoir une bonne prise. Et je ne serre pas d'office. La patte, elle est posée dans ma main. Voilà, je la prends simplement, je ne serre pas. Je vais commencer à raser. Si le chien retire sa patte, je vais serrer. Et je vais l'empêcher de retirer sa patte. Mais dès qu'il arrête de tirer sa patte, il faut le récompenser. Donc là, on relâche sa prise et on a de nouveau la patte qui repose dans sa main. Donc, même si on ne voit pas ce que je fais, je suis tout le temps en train de un peu serrer, un peu lâcher, un peu serrer, un peu lâcher, selon ce que le chien fait à ce moment-là. Bon, ici, Gypsy ne bouge pas, mais vous savez très bien que beaucoup de chiens... Quand on est en train de raser entre les pieds, ils essaient de tirer leurs pattes. Évidemment, quand on serre tout le temps pour les empêcher de tirer leurs pattes, ben, ils vont en avoir marre de cette prise aussi. Donc, il faut aussi bien penser que quand le chien arrête de tirer, de relâcher la prise et que le chien a sa récompense de cette manière-là. Donc, pour raser le pied, je prends là. Je commence près de l'ongle. Voilà.
Et selon ce que le client veut, voilà, ici je vous montre comment on fait en général, mais pour du, voilà, on suit la ligne de, que j'ai fait là derrière, on rase jusque là. Mais je dois dire que habitant à la campagne, je rase plus haut pour du petit. Et je dois dire que la plupart des clients me demandaient de faire comme ça, de raser un peu plus haut pour que la table soit plus propre, un peu plus haut. Donc j'ai toujours ma prise là. Alors ce qui est très important, c'est, donc vous voyez, le chien laisse sa patte. Tant qu'il laisse sa patte, je n'ai pas besoin de serrer. Quand elle veut retirer sa patte, je peux toujours serrer. Pour aller entre les doigts de pied, il n'est pas, on n'est pas obligé de faire ça pour ouvrir le doigt de pied. On peut très bien écarter les doigts de pied avec la tondeuse. Ce qui est important, quand on travaille, moi je travaille toujours avec la largeur de tête de coupe normale. Il y en a qui achètent les petites têtes de coupe. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve que ça va plus facilement avec une tête de coupe normale. Ce qui est important, c'est que, par exemple, quand on écarte là et qu'on rase là, on emploie le côté droit de la tondeuse. Et donc, on n'emploie pas toute la largeur, on emploie le côté droit de la tondeuse. Quand on fait ceci, on emploie le côté gauche de la tondeuse. Donc, je vais dire, voilà, 5-6 dents. Donc, je vous montre. Voilà, côté droit de la tondeuse. Comme ça, je peux aller dans le creux. Côté gauche de la tondeuse. On repasse plusieurs fois pour que ce soit bien net. Et j'écarte le doigt de pied avec ma tondeuse, vous voyez. Voilà, et c'est beaucoup moins désagréable que de faire comme ça. Donc, côté gauche de la tondeuse. Côté droit de la tondeuse. Côté gauche de la tondeuse. Côté droit de la tondeuse. Côté gauche de la tondeuse. Voilà, puis on repasse un petit peu. Voilà, je vais vite. Quand on a l'habitude, ça peut quelques minutes pour un petit pied. Côté droit, côté gauche, voilà. C'est passé trois fois, ça devrait aller. Ensuite, les ongles noirs. Alors, je les ai coupés il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas les couper aujourd'hui. Mais, donc, Gypsy a 14 ans. Souvent, les vieux chiens, ben, ils ont... Et souvent, les gens qui viennent avec un caniche disent « Oh, il a les ongles longs. » Et les gens croient que ça, c'est trop long. En fait, je pourrais couper un petit peu, mais ce n'est pas nécessaire. Ici, on voit mieux. Voilà, l'ongle ne touche pas le sol. Je soulève cette partie-ci et l'ongle ne touche pas le sol. Celui-ci, je pourrais couper un petit peu parce qu'il touche le sol. Mais tant que l'ongle noir ne touche pas le sol, pourquoi est-ce qu'on le couperait? Et pourquoi est-ce qu'on risquerait de blesser le chien? Voilà, c'est bien fait. Donc moi, les ongles blancs, c'est très facile à voir. On voit très bien jusqu'où on peut couper. Quand on a un doute avec un vieux chien qui a des ongles noirs, tant que l'ongle ne... Ici, on voit mieux. Tant que l'ongle n'appuie pas par terre en soulevant l'autre patte pour que le chien ait un bon appui, il n'y a pas vraiment besoin de couper l'ongle. C'est ce que moi, je pense. Voilà. J'espère que cette petite explication vous aura été utile et je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Merci Gypsy, t'as ton nez qui coule.